Hey, salut, salut. Alors, moi j'ai laissé 11 minutes. Et en fait, je voulais laisser la vidéo se terminer. Il en restait pour pas long, donc j'ai laissé aller. Et du coup, aujourd'hui, on est samedi. C'est donc le début de ce que j'ai appelé la fin de semaine galactique. Alors, il n'y a pas de son pour le jeu. Pour l'instant, c'est normal, étant donné que il est là. Alors vous l'entendez, je ne l'entends pas. Parce que PlayStation 4. Et du coup, je ne sais pas comment partager le son entre. Je ne peux pas trouver comment partager le son entre deux sorties. Parce que du coup, pour que ça apparaisse OBS, c'est une autre sortie audio que pour la sortie des écouteurs ou d'un haut-parleur. Je ne sais pas comment faire. Du coup, on va continuer Lego. Vous l'avez commencé, donc on va y aller. Chapitre 2 de Naboo. La vingtaine de Naboo. Allez, y a des guerriers, comment on appelle ça déjà? Les races dans Star Wars. Les Jar Jar. C'est pas, ça se dit pas, ça se dit pas comme ça. Ça s'appelle pas un Jar Jar Binks, mais c'est la même race que Jar Jar. C'est juste que niveau mémoire, je me souviens pas comment on dit. Oh non, le bâtard, tiens. Non, pourquoi je fais ça? Pour vider ce truc, mais j'ai pas d'armes à feu. Et les Jedi ne peuvent pas lancer leur sabre dans celui-là, malheureusement. Ce qui est un peu bizarre, en soi. Enfin, quoique, je crois qu'on les voit juste jamais faire dans la saga. Du coup, ça n'a pas été implémenté dans le jeu. Dans la version. Dans le jeu Clone Wars Lego. On peut le faire. Il y a certains Jedi. Je ne sais pas si c'est tous, mais il y en a quelques-uns qui peuvent le faire. Genre, quand tu maintiens appuyé, ça les met en mode parade. Comme là. Ça les met en mode parade, comme ça. Il bloque les tirs de blaster, mais ça te met aussi un viseur qui permet de lancer le sabre. Ok, j'ai fait toutes les petites plantes, on bouge ça. Il y en a d'autres. Let's go. Super, j'ai trouvé avec. C'était pas vraiment voulu. Il aurait peut-être fallu que je m'éloigne. Et
dommage de jouer sans le son. Ouais. Ouais. C'est un peu limite, mais je peux faire quelque chose pour me... pour m'arranger. En fait. Merde. Oh, quoi que non, c'est parfait. Laisse-moi écraser. C'est Jar Jar. Je vais couper le son des écouteurs et je vais aller ouvrir une page internet pour me mettre YouTube. Alors j'avais pas vu la lumière est pas trop mal. Je me mets juste de la musique. Je mettrai pas trop forte. Je vais baisser le son. Allez. Voilà, normalement, vous le faites pas. Parfait. Parce que je vais me prendre des gros droits d'auteur si je laisse la musique du genre passer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un trampoline? Ça fait bonbon? Non. Mais je me rends pas encore à moins que peut-être. Oh, il a l'air de sauter plus haut, lui. Et ouais, il saute plus haut. J'ai pas compris pourquoi je pouvais pas passer. Ah. Ouais, j'ai d'ailleurs avec la force ici. Ah, il faut le chasseur de prime ici. Je peux me battre avec Jar Jar. Jar Jar sait pas se battre. Enfin, c'est accuré, mais il sait pas se battre, mais... il y a certaines fois dans les jeux Lego, il y a des persos que tu t'attends pas à ce qu'ils se battent, qui tapent. Hein. Presque à la moitié du de véritable Jedi. Oh. Un peu easy hein, celui-là à aller chercher. Il nous le montre et tout en plus. Alors là, je crois que je peux passer, mais avec un petit perso. Je sais pas. Ouais, ça m'amènerait là. Est-ce que je peux essayer de... Non. Le jeu, il active pas le saut si je me laisse tomber.
Putain, j'ai un trou. J'ai oublié le trou. Oh, le renvoi, il était stylé là. Ils sont pas très durs à aller chercher les... Ouais, j'en ai quand même déjà la moitié. Et puis les ceux qui manquent, c'est vraiment des situations spécifiques. Va? Comment je monte là-haut alors? Ok. Notification de la météo, je te jure, c'est pas intéressant. Hein? Facile, encore une fois. J'en ai la moitié. What the fuck? La liste, elle est mélangée? Attends, c'est pas que ça me dérange de l'entendre, c'est juste que... J'avais mis une playlist. Pourquoi est-ce qu'il est sorti de la playlist pour me passer de la mu... Le... Ah. C'est bizarre. Enfin bref. Qu'est-ce que je peux faire à Jar Jar avec la force? Chaque fois, il y a le halo, il se met sur lui. Ah! Je peux le rendre confus. Yes. Jar Jar Binks. Bon, vous pouvez voir, j'ai racheté 3 persos en allant sur la PS4. J'ai pas eu à 86%, chiant.
Bon, on va continuer. Avec qu'une demi-heure. Donc théoriquement, si je fais un live d'à peu près 3 heures, comme sur Ratchet, je tape les 5-6 niveaux. Je peux faire... Je peux donc faire... plus ou moins un film en une fois. Pas de mais non, oui. Personnes atteintes d'un blaster peuvent se hisser et atteindre les zones hautes. Ah! En gros, les personnes avec un fusil, c'est des Batman. Alors, normalement, il n'y a pas de viseur. Pas visé. Et là, il n'y a rien là-dedans. Vraiment? J'aimerais casser toutes les portes histoire de voir. Y a rien, mais je peux interagir avec la force sur les piliers. Pour faire va savoir quoi. Ça va vite. Sur ce foutu des claques, je crois. Avant de monter, il y a ça, là, ici, je peux peut-être faire des trucs. Là, c'est la force que ça prend. Ah, c'est pas la même pièce. Pas l'air d'avoir grand-chose de plus. Bon, donc déjà, à la fin de ce niveau-là, on débloque deux persos de plus, ce qui est cool. Padmé et son garde, il a un nom. C'est Capitaine Panaka. Je vous avoue que c'est pas le personnage que je retiens le plus. Hein. Je ne sais même pas qui était nommé. Allez là-bas. Il n'y a rien, c'est fou. Ouais, j'ai cassé la grosse statue. Tristesse sur ceux qui vont devoir réparer. Honte. Elle lui fout des claques. Pourquoi ça marche pas? Oh, attends. Ça va peut-être sur les trucs comme ça. Ouais, c'est ça.
Dans l'autre, dans les autres jeux Star Wars aussi, du coup, ils construisent avec la force et non pas avec leurs mains. Enfin, là, elle a pas le choix parce que Padmé n'utilise pas la force, mais. Mais Qui-Gon et. Ça va là. Ça prend la force obscure, ça prend un site. Bon, il est où l'autre? J'avoue que je sais pas quoi faire. Hein. On peut peut-être pas le finir en fait, simplement. Je pense que non. Ça doit mener à la suite. Ouais, voilà. Oh bah putain. J'en ai pas trouvé beaucoup cette fois-ci, pour l'instant. J'en ai que un. Peut-être à cause du fait que je sois dépourvu de foot, la force actuellement empêche. Empêche la grande collecte de ça. Ah, y a tellement d'interactions de la force ici. J'aime pas beaucoup jouer au fusil. Allez, voilà. Pour revenir en arrière, j'ai plein de trucs à faire avec. Changer de perso? Allez! Oui! On va essayer de faire les trucs bonus derrière. Ah merde, ça les enlève. Je savais pas. Tant pis. Pas de nuit. Grimper là-bas, il y a un truc à faire.
pas je peux venir ici. Bon bah ok. Pourquoi ça s'est ouvert? Il y avait rien vraiment dedans. Ah bon? D'accord. Pourquoi pas? Je pouvais marcher dessus, mais bon. Pourquoi pas, pourquoi pas? Les pièces sont trop réparties, c'est chiant de ramasser. Là, ça c'est la suite parce qu'il y a un trou. Là, ici, je ramasse la pièce. Ah, dans celui-là, j'ai l'impression de faire un mini-kit. On va voir ce que nous ouvre le dernier bouton. Il y a un mini-kit et je peux pas le casser parce que c'est un truc de brillant. Un argenté. Il faut des bombes. Et j'en ai pas. Ils vont vite les niveaux, mine de rien. Bon, c'est vrai que je rush un peu. La peine, Amidala. Alors, c'est pas Padmé, alors. Pardon. Je suis tombé de personnage. Quoique. Bien sûr qu'on continue. Bien sûr qu'on continue. Thank you.
Je veux passer. Non, je peux pas. Oh, la course de module. Moi, je peux pas voyager. Le plus que je passe. Ah, voilà. Attends, un mini du temps. De détection de mouvement, c'est-à-dire. C'est vrai que sur la PS3, il y avait un espèce de... bon, il y avait une fonction du gyroscope. Ça va vite. Tu m'étonnes que ça aille vite, mais... ça va très vite. Je réussirai jamais à avoir les mini-kits de ce niveau, c'est impossible. J'en ai eu un. Je vais dire ce que j'ai dit. Ils sont visibles en fait. Ah, j'en ai raté un, je viens de le voir. Là, il y en a un. Ah! Ah! Je prends tous les murs. C'est n'importe quoi. Oh non! Je les vois, mais j'ai pas le temps de réagir. Là, là, il y en a un. Oui! Je peux essayer d'avoir les 10 en vrai, je pense, sur ce niveau-là. Si je ne vois pas trop, il y a quand même que 3 tours. Je peux ralentir en soi. Ah oui, je peux ralentir. Donc ouais, lui triche évidemment. Ah ouais, il y en avait un. Là, je peux pas y aller. Je préfère aller lentement et choper les mini et refaire la course après, en ayant l'esprit tranquille. Alors là, il était par là, je crois. Ah, les cailloux. Bonjour, les cailloux. Je crois que je l'avais peut-être déjà eu. Ah non. C'est pas grave. Là, il est là. Tout à l'heure, je l'avais raté. Ça fait 5. Je sais qu'il y en a un 6ème que j'ai manqué. Là, 7. 6. 7ème, l'autre, je l'ai pas ramassé, je l'ai manqué. Le véritable Jedi, il va falloir. Va être dur à l'avoir aussi en plus. 7 sur 10. Il manque 8, 9, 10, il manque 3. Il y en a un que je peux pas avoir parce qu'il est dans... il est forcément après la porte... après la porte rouge. Il y en a un là. Oh non! Pas juste! Le cube... putain, je l'avais pas vu! C'est le cube rouge, là. Il est là, lui, en haut, je peux pas l'avoir. Donc il y en a un... putain, mais le cube rouge! J'avais pas vu qu'il était là, là. Enfoiré. Va falloir que je refasse le niveau après. Ici, il y en a pas. On est juste les tiers. Pas sûr. Il est après. Là. Non! Je suis nul! Je suis mauvais! Je suis mauvais. J'aurais dû ralentir. Bon, je ne gagne pas la course. Ah, il me fait refaire la dernière partie parce que j'ai pas gagné.
Ça va en vrai. Ça m'arrange. Voilà. Le cube. Non. Oui. J'ai eu le cube. Je suis content. J'espère qu'il reste si jamais je dois refaire la séquence encore. Je me suis fait toucher. J'ai collisionné. Ok. 9 sur 10, donc il me manque qu'un seul. J'ai eu le cube. Bon, je réussirai pas à le rattraper tout de suite, ça c'est sûr. C'est pas très très étonnant. Ouais, ok. Donc là c'est à savoir, est-ce que les mini kits et le cube sont toujours comptés? Ouais, ils sont toujours comptés, je le vois plus. Non! Non! En vrai, j'aurais peut-être dû faire l'inverse, me contenter de gagner la course et ensuite de... Ensuite les bonus. Putain! Il est là! Je peux la voir! Non, je peux pas la voir. Ah! Non! À si près! La détection, je sais pas si la détection de mouvement fonctionne vraiment. Ah putain, mais ça là aussi. Je suis presque. Je le colle, allez! J'ai pris le devant. Et oui! Content. Ah, c'est bon. Bon, j'ai pas eu du premier coup, mais... Il va leur péter, non. Et c'est un niveau rondement mené. Détecteur de briques de puissance. Ah! Pas super, super utile étant donné qu'en général les briques de puissance ils sont cachés derrière des trucs un peu plus difficiles. Là c'était facile à choper parce que... C'est une course, ils peuvent pas te permettre de mettre des trucs trop compliqués. Il y en a qu'un seul truc trop compliqué parce que ça prend un véhicule spécifique. Ça fait le pote de l'ennemi. Alors, je vais faire une petite pause. Ça fait une heure que je joue, je vais faire une petite pause, je dois aller aux toilettes et tout. Alors, je reviens tout de suite. Mauvaise. Non. Voilà, je me trompe dans mes touches de raccourci.
Voilà. Je remets c'est si. Ouais. Donc on va sur quelle planète du coup? On retourne sur Naboo. Bouclier. Donc on ouvre les chars d'assaut qui vont dropper des soldats. Il faut pas avoir peur. C'est des tas de ferrailles, ils sont vraiment pas foufou. R2. On a Anakin cette fois, R2, Padmé. Et les deux Jedi. On n'a pas Jar Jar par contre, du coup. Mais à quoi? Pourquoi je peux monter? Pour allumer la lumière. Ça prend peut-être un autre perso. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Super. Je me suis fait instant bloquer. M'arrête de me pousser. Non, c'est pas incroyable. Oh, ça me tue même pas, ça fait que les écraser. Ça sert à rien ce truc. Allez, merde. D'accord, ça tient dans le vide du futur. Ah, ok. Peut-être le faire pendant que tu es dessus. Non, pas vraiment. Ça m'énerve de pas pouvoir explorer quand j'ai envie d'explorer. Parce qu'il y a des putains de mobs qui tirent de partout. Oh, vous êtes chiant, laissez-moi vous tuer. J'ai besoin de l'escalier pour mieux venir vous arracher la tête. Laissez-moi passer. C'est pas possible. Tenez-vous tranquille un peu. Moi, la vraie bloc doré que j'ai hâte d'avoir en vrai, c'est l'aimant à pièces. What the fuck? Pour quelle raison? Il y a Anakin qui va pouvoir venir normalement. Ah non, tout le monde passe.
Voilà, Anakin y passe dans la petite porte. Wow. Putain, j'ai pas beaucoup de pièces avec celui-là. J'en ai 460 de pièces. J'avoue que je fais pas beaucoup de niveau si j'avance un peu en ligne droite. Là, il y a un autre bouton. Pièce bleue, c'est pas non plus un grand drame. En même temps, j'ai pas envie de courir après les pièces comme ça quand elles se répartissent dans... quand elles partent dans tous les sens. C'est pour ça que je veux les mains en pièces en fait. Faudrait que je sache dans quel niveau il est la brique dorée de l'aimant à pièces. Non, ça. Pas important apparemment. Mais ici les lumières sont rouges. Ramasse le cuir. Bon, ici ça prend de la force de cuir. Donc je resterai pas, ça sert à rien. J'ai pas eu le droit de bouger pour esquiver sur une entière. Hé, hey, tue-le! Je crois que ça va être le dernier niveau. J'aurais voulu faire plus long que ça, mais ça commence à m'énerver. Je commence à m'énerver un peu contre le jeu, alors vaut mieux arrêter. D'accord. J'ai des bulles. De
toutes les couleurs. Alors encore une fois, à quoi ça sert? Probablement pas à grand chose. Et je vais me faire chier avec la plateforme. Il n'y avait rien. Cacher une pièce. Ok. Alors, Anakin peut souffler dans un conduit pas loin, il vient de me le dire. Il se bat pas à cet âge-là. Ouais, ça m'aurait étonné. Oh, un mini-kit derrière. Par contre, je sais pas comment monter. Ah, si ça marche. Il y a un mini-kit au bout, ouais, forcément. Alors j'ai vraiment besoin que Luc ait de l'autre côté du coup. Ah. Ok. Et bon. On y va. Il y a R2 qui suit. Là je monte en haut. Et j'appuie sur le bouton. Qui ouvre la porte. Oh my god. Oh la porte. Il y a une porte. Oh. J'ai pas envie. Hein.
Bah, il fallait sauter deux fois, hein, au cas où. Mais t'as un double saut. Pourquoi tu le fais pas? Interagir avec ça. What? Il est où R2? Passé où R2? Oh, super. Perdu le droïde. Ça commence à beaucoup m'embêter, à beaucoup me saouler. Va vraiment falloir que j'arrête après ce niveau. Non, lâche ça. Ah là, ils montent tout seuls. Enfin, ils essayent en tout cas. Voilà. Les autres devraient réussir à venir tout seuls. Anakin le fait. Manque plus que les deux Jedi. Il y arrive évidemment pas, parce que c'est des crétins. Blague! Mais suffisamment, il me pousse le truc! Sérieux, un saut sur place me fait glisser en bas. J'en peux plus. Faut que j'arrête. T'as deux sauts. Pourquoi tu sautes pas deux fois? Je fais que ça, spammer le bouton pour que tu fasses des doubles sauts. À quoi ça sert de fournir une option si c'est pas faisable comme ça? Honnêtement, arrête de faire des trucs bizarres. Saute normalement. Ouais, non, je peux pas atteindre ça par là. Faut vraiment que je saute ici. Ça n'a aucune logique. Ça marche pas. Allez, reviens! Putain, c'est long! Oh, sérieux? Comment je fais sinon? C'est quoi la solution? Ça marche ou pas?
Pourquoi ils peuvent pas le faire tout seuls? Comme les quatre autres personnages. Il fait même pas ses sauts. Connerie. Bravo. Perspective de merde. Oh, vivement la fin. Oh, arrêtez de m'emmerder. Fais chier. Pourquoi les autres ils foutent rien? C'est une vraie blague. Je serais pas attendu à choper ça. Bien fait de le faire. On peut pas. Ça prend un grappin. Et ça saute pas assez haut. Allez, rends-moi le Jedi. Aucun intérêt. Ah, toutes les marches. Bah oui, évidemment. Merde. Je fouille pas, je veux finir. Sauver les soldats. Chiant. Allez. De d'où tu attaques toi en sautant? Voilà.
Non. Oh, super. Là, j'atteins pas. Et un mini kit. Oui, c'est sûr que... J'ai pas envie de me casser la tête avec les trucs bonus. Déjà que j'en ai marre du jeu simplement, des ennemis de base. Ouais. Tuez-le! Hey! C'est incroyable que je sois le seul à faire tout! L'intelligence artificielle était vraiment pas au point. C'est son montage. Où sont les deux derniers déjà? Là. Ok, c'est encore la même chose que tout à l'heure. Voilà. Enfin. Super chiffle. Pas franchement ce que je cherche. Pas de mes batailles. Et en 2D2. Anakin Skywalker, enfant. Ça, non. J'ai même pas fait 20%. Yes. J'ai pas mal de pièces. Ça, j'en ai deux. Ça va faire un petit vaisseau. Non, 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 non. Je commence à rager contre le jeu, alors on va s'arrêter. On va s'arrêter. On va s'arrêter bientôt. Parce que. C'est pas bon, en fait, de rager. Ça va me faire faire des erreurs, ce qui va me faire rager encore plus. Alors autant complètement arrêter et revenir une autre fois. Alors, c'est sympa, mais il va pas très vite, R2. Attends quoi? La reconquête du palais, ça c'est ce que je viens de faire. Il m'en reste qu'un. Ah mais là, je pourrais finir le chapitre. Je pourrais finir un des films. Va aller voir la boutique et on reviendra. On va le faire. On va le faire. D'être à ce point près de finir la menace fantôme, autant le faire. Terminer. Moi, je vais venir ici acheter des. Acheter des boss NASA. Ah. Ah, le droïde. Padmé. Garde royale. Ah, je ne peux pas. Et Watto non plus. Il y
y a les véhicules, j'imagine, normalement, avec, non? Il y en a qu'un seul de débloquer. Et c'est celui de son adversaire, de Indiana Jones. C'est probablement pas ça. Ok. Bon, on va aller faire quand même le niveau. Bah, quitte à être à ce point près de la fin, je vais rager, mais je vais rager pour finir. Donc en gros, faut que je les achète par contre, normalement. Bascule supplémentaire disponible à la vente. Chewbacca portant ses 3 PO. Remorquer l'étoile noire. Voilà, tout ça sont disponibles à la vente. Détecteur de briques et super gif. Il y en a plein. Il y a de la brique à trouver. On va le faire, le Dark Maul. Ah, quitte à être à la fin, autant le faire. Il y a 6 chapitres, j'avais pas calculé qu'on était à ce point près de finir. Voilà. Le voilà. Que 3 coeurs. Oh, ça, il m'a lancé un truc. Alors, je crois qu'il faut que je renvoie ce qu'il me lance. Ouf. Aïe. Et vous l'avez vu là, lui, la force qu'il utilise, le halo, il est rouge. Donc il faut des personnages, un personnage comme Dark Maul pour pouvoir utiliser les zones obscures. Les zones où est-ce qu'il y avait des lumières rouges par exemple. Là que je me fallait de la force du côté obscur pour le... Ça n'a aucun sens, hein, parce que la force c'est la force, peu importe que de quel côté tu es, mais c'est un jeu Lego. Ça serait pas drôle de donner toutes les possibilités d'entrée de jeu. Parce que c'est vrai. Pourquoi lui il est... Ah! Oh, la perspective. On en a chopé un. Non, il faut juste le suivre, hein, je pense, à mon avis. Mais il y a des petits trucs à faire qu'on peut faire. Allez, viens! Ah! Droïde, il me faut. Non, Stormtrooper, il me faut. Ah. Putain, mais un autre, si facilement, exactement comme le précédent. On crachera pas dessus, mais c'est un peu étrange de faire ça comme ça. On y va. Il a fui. Enfin, il a fui, pardon. Mmh.
Ok, on a vu, il y a des renforts qui arrivent. Il en appelle d'autres. Je vais l'éliminer lui d'abord. Ok. Oh, allez. Voilà, oh. C'est génial ça. J'ai perdu toutes mes pièces. C'est trop. Oh, c'est génial ça. Oh, mais c'est une blague. T'as pas fini là? Voilà. J'ai plus de pièces, ça sert à rien de faire mourir. Voilà. Oh, bah oui, saute pas. Non, ne fais pas tes sauts. Continue à faire de la merde comme ça. C'est parfait. À la fin, on atteint le fameux moment. Putain, il y a du cœur. Hein. C'est l'autre qui doit le taper. Tape-le, Qui-Gon. Pause. Je sais pas, mais c'est un peu tout ce qu'on attendait de comme interaction, que tu frappes dessus. Non, ça marche mieux en sautant. Non, je sais pas où il saute à chaque fois. Putain, il y a un mini qui est toute sa gueule. Qu'est-ce que... Ah, c'est lui. Il envoie des trucs. Attends, mais je veux le mini kit. Si je peux essayer de l'avoir. Laisse-moi. Hein? Mais quoi? Bon, tant pis. Allez, on finit. La mort de Qui-Gon.
Et la première mort de Darth Maul. Et on a vu les jambes qui bougeaient encore derrière. Moi, je n'aurais pas gagné grand chose avec ce niveau-là, mais... 0%. Littéralement, j'ai fait 338. Finir l'histoire. Allez. Un film de fait. Non, le jeu. Le Star Wars, Skywalker saga va être long. Une film à refaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, c'est mignon tout plein. Alors, c'est parce que à l'origine, je pense que ces jeux-là, ils étaient tous sortis individuellement. Et du coup, en fait, le Skywalker, le Saga Complete, c'est juste une compilation des 6 jeux. Tout simplement. D'accord, on passera pas à la cantina parce que j'ai pas les moyens. Mais du coup, ça s'arrête là pour ça. Attends, il y avait une porte au bout, non? Ouais, il y a une porte au bout. Il y a un truc bonus. Qu'est-ce que c'est? Épisode bonus. Super histoire. Personnage bonus. C'est quoi? Je comprends pas. On fera la prochaine fois alors. Du coup, paramètres en ligne. Ah, je peux inviter des joueurs. Donc, merci à ceux qui sont venus et à ceux qui ont regardé le live, ainsi qu'à ceux qui auront regardé toute la rediff. Je vous dis à la prochaine. Ciao!